Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas si ça se voit, mais on est de retour au lac de Tseuzier. Aujourd'hui, on est là pour faire découvrir la région à Silvio. Eh oui, encore une fois, on me fait découvrir les meilleurs panoramas de Suisse. Celui-là, franchement, c'est une petite perle. Première fois ici ? Première fois encore. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va faire le tour du lac. On va aller voir la petite cascade aussi. Il y a une petite buvette tout au fond. Et peut-être, si t'as le courage, un petit peu de paddle. On va voir, on va faire attention de pas tomber cette fois. Et c'est parti. C'est parti. Cette fois, on a fait le tour du lac dans l'autre sens. Au lieu de commencer par le barrage, on a commencé par le petit chemin un peu balisé en gravier. Et en fait, bah, vous avez un bis qui fait pratiquement la moitié du lac. Et la rando qui le suit est juste magnifique. Ça passe vraiment en plein milieu de la forêt. C'est super beau, ça fait vraiment du bien. Encore un spot qu'on vous conseille de faire. Juste là en bas, avec la GoPro, on vous mettra les plans. J'espère que vous m'entendez. Ça va être stylé. Bon bah, comme vous pouvez voir, je suis pas tombé en paddle tout à l'heure, mais j'ai eu l'équivalent sous la cascade. Donc, c'est vrai que t'as l'air un peu mouillé. Ça fait du bien, franchement ça fait du bien. Mais là maintenant je vais devoir assumer sur le reste de la rando parce que la cascade là elle est bien fraîche. On a trouvé un chemin qui nous permet d'arriver vraiment au plus près de la cascade. Ça donne ça. Je pense que Tseuzier, ça reste un du top 3 des plus beaux endroits à faire en Suisse. Et qui ne sont pas trop connus. Le chemin pour arriver à la cascade où on est allé, il est hyper casse-gueule. Il n'y a pas d'autre terme. Donc si vous décidez de venir ici, il faut avoir des bonnes chaussures. Ouais, des chaussures de rando. Parce que sinon, c'est merdique. Avec des tennis, ça passe pas. Et pas le vertige aussi, parce qu'il y a des bouts, c'est limite. Hein. Mais ça vaut le coup. Là maintenant on va redescendre, donc le chemin il descend comme ça. On va essayer de ne pas se ramasser. Voilà, on arrive au terme de notre journée au lac de Tseuzier. Impression ? Franchement, la meilleure expérience en Suisse pour moi, parce qu'on a fait du paddle, on allait manger de la bonne charcuterie, du pain, du fromage et on a vu une cascade. Même toi tu l'as dit, on a tout fait. En fait, il y a tout ici. Ouais. Il y a le lac, il y a le barrage. Il y a des gorges, il y a des bis, il y a des cascades, il y a même des vaches et il y a une petite buvette. Donc encore une fois, on vous conseille de venir ici, c'est super beau. Ça se fait en famille, c'est gratuit, il y a un petit parking, c'est l'occasion de passer une bonne journée. Comme d'habitude, on vous met toutes les informations en bas dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de loisirs.ch pour continuer de découvrir la Suisse avec nous. Et nous, on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.